مشتركي صبراني. دونك باش تلقوا على بركه الله في اول درس في الجيومتري بالنسبه للتلاميذ سنه دونك بروميير اني سنه اولى ثانوي. دونك باش نعطيكم ان ريزومي صغير على الدرس الثاني اللي هو لي زونغل. دونك باش تشوفوهم في الشابيتر هذا دونك ماهمش حاجات جديده, حاجات شفناها في دونك في السيتيام اني. مي الديفيرونس زدنا نعاود لكم انه باش تولي دونك اللغه هي اللي باش تفرق. دونك شفناهم باللغه العربيه طب شوفوهم باللغه الفرنسيه, ولكن عندنا ميم برانسيب ميم فورمول ديما نعاود. دونك اللي فاهم رياضيات في لونسينيمون دو باز مش باش يلقى حتى صعوبه, سورتو في البروميير اني وشويه في الدوزيام اني دونك بريسك كل شيء يتعاود. دونك نبدا نعطيكم ان ريزومي صغير على لي زونغل. دونك بيان سور عندي لينيه دو دوغوات باراليل. Donc, on va faire un تقريبي. Donc, deux droites parallèles forment avec une séquente. Hey, séquente. Donc, forme deux ongles intérieurs d'un même côté supplémentaire. Donc, je mets deux ongles intérieurs d'un même côté. Hein, donc, ça, deux ongles intérieurs d'un même côté. Ou bien, adouma kif kif, deux ongles donc intérieurs d'un même côté. Je mets un adouma. انتيريور ده ميم كوتي من نفس الجهه. اذا اشبيهم لي دو زونغل دو ماسون سوبليمونتير. شو معناتها؟ معناتها الصوم نتاعهم ايغال 180 دوغري. دونك دو زونغل انتيريور ده ميم كوتي دونك صوم سوبليمونتير supplémentaire, donc somme égale à 180 degrés. Donc la somme donc de ces deux angles, bien sûr, je sais, mais par exemple O, X, X prime, O prime, Y, donc Y prime, les nœuds je sais, donc Z et Z prime. Donc les nœuds statini, l'angle X, O, Z prime, plus l'angle donc Z au prime Y égale à 180 degrés. Okay? Donc, manta ou bien pi. Donc, les deux angles, donc les angles intérieurs d'un même côté. On dit les deux angles internes sont égaux. Donc, je mets deux angles internes. Donc, deux angles alternes internes. Par exemple, donc, je n'ai pas l'angle Nelly ou l'angle Lilbrouch. Donc, sont égaux. Ok, donc deux angles alternes internes sont égaux. Pardon. Donc, deux angles alternes internes sont égaux. Ici. Ok. Et donc, deux angles donc correspondants égaux, donc je vais comme exemple de deux angles correspondants. Donc par exemple on dit l'angle Elie donc et l'angle Elie donc sont égaux. Ok, donc deux angles correspondants sont égaux. Donc, on a qui a dit deux droites parallèles, on a dit une séquente. Donc, ou l'axe, puis l'axe, kif kif. Si deux droites forment avec une séquente deux angles intérieurs des mêmes côtés, donc supplémentaires, alors elles sont parallèles. Ok? Et qu'on a dit deux droites, donc forment avec une séquente deux angles, deux angles inter d'un même côté sont supplémentaires, les deux droites sont parallèles. Si deux droites forment avec une séquente, donc deux angles alternes internes égaux, alors sont parallèles. Si deux droites forment avec une séquente, deux angles correspondants égaux, alors sont parallèles. Les angles sont supplémentaires, on a dit deux droites et une séquente, donc les angles internes sont supplémentaires, automatiquement les deux droites sont parallèles. Okay? Je vais vous montrer plusieurs exercices. Donc, c'est juste un rappel. Donc, je vais vous donner un rappel à l'angle inscrit et angle au centre. Donc, je vais vous angle inscrit, angle au centre. Donc, si le côté BC d'un triangle ABC
et donc diamètre d'un cercle. Diamètre donc de son cercle circonscrit. Alors, ce triangle est rectangle en A. Je m'entends. Donc, un petit cercle. Donc, un petit cercle. Le côté BC d'un triangle ABC est le diamètre, donc on dit le diamètre interne, donc il est centre, bien sûr, BC. Donc, de son cercle circonscrit, le triangle, puisque nous avons vu le cercle, donc il est nord interne d'un triangle AB. Donc, notre triangle est rectangle en A, puisque le rectangle est. Okay? Les triangles circonscrits. Donc, A, B sont deux points distincts. Donc, le point P, sur un point P, tel que APB égale 90, sont les points du cercle du diamètre AB privé de A et B. Je m'entends. Donc, il est gagné la manière avec les points alignés. Alors, il est 90 degrés. Donc, je vais l'indiquer. Les points alignés, donc. Le rectangle avec triangle avec le rectangle. Kif le point aligné. Donc, l'aligné, puisqu'on a dit 0, ben, donc, un angle inscrit dans un cercle est égal à la moitié de l'angle au centre qui intercepte le même arc. Donc, l'aligné, on a dit comme une figure. Donc, on dit un angle inscrit dans un cercle est l'angle unité. Est égal à la moitié de l'angle au centre qui intercepte le même arc. L'angle sur 2. Je ne sais pas, par exemple, A, B, C, O. Donc, l'angle C, A, B égale 1 demi de C, O, B. Voilà. Okay? Donc, deux angles inscrits qui interceptent le même arc sont égaux. Donc, deux angles inscrits donc, qui interceptent le même arc sont égaux. Par exemple, je vais dire A, je vais dire A'. Donc, l'angle ici. Ah oui. Donc, l'angle ici sont égaux. Okay? Donc, d'abord, il y a la savonne. Inch'Allah, nous allons vous donner une majmoua de thèmes qui vont vous aider à comprendre le cours.